Nous sommes dans une crise du gaz. Le gaz est désormais une ressource rare. Déclaration du ministre allemand de l'économie. Face à la baisse drastique des livraisons russes, le gouvernement a activé le niveau d'alerte, deuxième phase d'un plan d'urgence qui en compte trois. Dans ce cadre, les autorités pourront soutenir les acteurs du marché pour sécuriser les approvisionnements et faire face aux prix élevés. Nous sommes dans une confrontation économique avec la Russie. Le gaz, l'énergie sont utilisés comme une arme contre l'Allemagne. De mon point de vue, il s'agit de détruire ce qui a distingué notre pays au cours des dernières semaines et des derniers mois et ce qui a distingué l'Europe, à savoir une grande unité, une grande solidarité avec l'Ukraine et une volonté majeure de payer un prix élevé pour la défense de la liberté. Depuis la semaine dernière, les livraisons via le gazoduc Nord Stream ont baissé de 60%. Si Berlin dénonce une décision politique, Gazprom avance des problèmes de maintenance. Le gouvernement allemand multiplie les appels pour économiser la ressource. Un recours accru au charbon a déjà été annoncé.